Hello, c'est toujours Cathy pour un nouveau tutoriel sur Word, encore une fois. Il y a toujours plein de choses à faire sur Word. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les styles prédéfinis dans Word et comment aussi pouvoir les modifier. Je vais ouvrir un document que j'ai déjà tapé qui s'appelle Utiliser les styles prédéfinis afin de vous montrer un petit peu tout cela. Voilà, le document s'appelle les styles prédéfinis et modifier les styles. Comme vous voyez, je l'ai déjà tapé ici. Voilà, donc je vais déjà vous montrer le ruban accueil où se trouvent les styles prédéfinis. Ici, dans le groupe style, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs styles qui sont déjà prédéfinis afin d'uniformiser un document. Donc je vais vous montrer comment cela marche. Et vous pouvez aussi modifier le style si cela ne vous plaît pas vraiment. On va donc commencer par sélectionner le titre. Je vais commencer par sélectionner le premier titre. J'appuie sur la touche CTRL afin de pouvoir sélectionner le titre 1. Je descends ma roulette. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé. Je clique sur le titre 2, le titre 3. Et cela me permet de sélectionner avec la touche CTRL donc plusieurs lignes en même temps, simultanément. Voilà, je souhaiterais ici mettre un style un petit peu sympathique sur tous les titres. Il me suffit donc de choisir dans les styles prédéfinis ici ce que je souhaite mettre pour le titre. Alors vous allez voir, vous pouvez prendre celui-ci, peu importe, c'est à vous, c'est vous qui décidez. Je vais donc choisir titre 1, par exemple. Donc, comme vous le voyez, tous les titres sont dans ce style-là, mais vous souhaitez peut-être modifier le style lui-même. Il suffit alors de se mettre dessus sur le ruban, sur ABC titre 1, et de faire un clic droit avec le bouton de la souris et clic gauche sur modifier ici. Ainsi, vous pouvez changer le style d'écriture, changer le style ici, c'est une question d'où, je tente celui-ci par exemple, Broadway, pourquoi pas. La taille, vous pouvez bien évidemment changer la taille, on va mettre du 16, du gras, si vous voulez l'enlever, pourquoi pas, et même de la couleur pour le titre ici. On va mettre du violet. Et je vais décider de dire OK pour ce style-là. Donc, comme vous voyez, dans le ruban accueil et le groupe style, le style a été modifié par vos soins, comme vous le souhaitez. Vous pouvez toujours le changer comme vous voulez, hein. Clic droit, clic gauche, modifier, et demander autre chose, un style d'écriture différent si vous le souhaitez, par exemple, une couleur différente si vous le souhaitez aussi. On met du orange. Et je dis OK. Voilà, ça vous permet d'uniformiser un document et d'avoir ici le style que vous avez choisi pour changer à n'importe quel moment. Voilà pour les titres. Pour les sous-titres, je clique devant le premier sous-titre. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé dessus sur le clavier à gauche, en bas à gauche, et je clique devant sous-titre 2, je descends, je reste appuyé sur la touche touche CTRL et je clique devant sous-titre 3 afin de sélectionner les trois sous-titres. Et je peux choisir dans ce type prédéfini un autre sous-titre qui me conviendrait. C'est à vous de voir un peu ce qu'il vous plaît. Je vais prendre celui-ci. Par exemple, je clique dessus. Bien évidemment, si la couleur ne vous convient pas, vous pouvez faire un clic droit pour modifier clic gauche le style qui était déjà prédéfini et décider de choisir un autre style d'écriture. Je vais prendre Time Roman, la taille 12, 14, c'est vous qui voyez, et changer la couleur si l'on souhaite. Je vais mettre du couleur bleue un peu plus intense. Et voilà. Et je dis OK. Tous les sous-titres auront donc pris le choix que vous avez décidé en haut ici, mais vous pouvez choisir autre chose, hein, toujours clic droit et modifier. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez mettre. Je vais
finalement mettre une couleur bleue plus claire. Et je dis OK. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus joli. Pour le style d'écriture, pour les paragraphes, je vais en faire de même. Je vais sélectionner les paragraphes que je souhaite. CTRL, je sélectionne les paragraphes. Touche CTRL. Et je sélectionne tous les paragraphes que je souhaite. Je peux bien évidemment changer le style d'écriture ici, sans aucun souci. Hein. Je vais vous décider, bien évidemment, de mettre du gras, de l'italique, sans aucun problème. Mais vous pouvez bien évidemment décider, dans ce style ici, de choisir quelque chose tout à fait simple. Par exemple, abaisser et lever, pourquoi pas. Je clique dessus. Je peux tout à fait évidemment changer le droit, modifier le style que j'ai décidé pour les paragraphes et demander un petit peu ce que j'aime bien pour la taille. Par exemple, 14. Je mets du gras, je le laisse. Et je mets de l'italique en plus, pour que ce soit plus joli. Ajouter à la liste des styles rapides. Donc, je dis OK. Et vous voyez ici les styles rapides que vous avez décidé de mettre. Voilà, pour uniformiser un joli document et vous permettre de faire quelque chose assez simplement. J'enregistre donc mes modifications et vous aurez appris aujourd'hui à utiliser les styles prédéfinis, mais aussi à pouvoir les modifier à votre goût. À la prochaine pour un autre tutoriel. À bientôt.